Les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo où on va tester une 125SX 2022. Les refs, aujourd'hui on est avec Nils, c'est un pote à nous. Et franchement il nous a ramené un bolide. C'est une pépite wesh. Ah mais vraiment c'est une tuerie. Et ils vont essayer et ils vont s'envoler. Comme vous savez les refs, nous on a commencé la moto cet été avec un petit 80. Ensuite on est passé sur deux 85KX et un 85YZ. Tu vois, on est toujours resté là. Mais là les refs, tranquille les gars, le max qu'on a essayé les gars c'était le 250 KTM de notre père les gars 2018. Et on n'a jamais testé de 125. On va tester 125 récent 2022. C'est l'avant dernière avant la 2023. On va s'envoler tout d'origine les gars. T'es la première main du coup parce que tu l'as acheté en magasin non? Ouais, je l'ai acheté en concession, c'était la dernière que j'ai trouvé. Et je l'ai acheté sur Grenoble. Et ça doit faire depuis mai que je l'ai, un truc comme ça. Ouais les gars, il a pas trop fait de sortie avec. Genre là il est toujours en train de la prendre et tout. Et franchement les gars c'est une dinguerie. De toute façon on va tout vous la présenter. Vous allez la voir. Franchement je crois que c'est une des plus belles motos les gars de ma vie que j'ai vu. La vie j'aime trop. Les gars vraiment elle est insane dans les couleurs de KTM. Bref on vous spoil pas, vous allez tout découvrir. En tout cas si vous kiffez ce genre de vidéo, un maximum de like. On s'abonne, on active la cloche. L'Instagram de Nils les gars, allez lui faire péter. Et puis merci les gars Nils hein, parce que sans lui on n'aurait pas pu faire cette vidéo les gars. Et puis voilà ça va être cool. Les gars oh faut pas qu'on tombe avec. Parce que si on tombe les gars la caution ça va faire mal les refs hein. Va falloir charbonner les lives après. Ouais tranquille. Et aussi les refs, on va bientôt faire une vidéo où on note vos motocross. Donc venez tous nous envoyer vos motocross sur Instagram, il s'affiche juste ici. Tout se passera là-bas si vous voulez passer dans la vidéo. Donc c'est carré. Du coup les refs c'est parti, on perd pas plus de temps. C'est parti pour vous montrer la moto. Let's go. Elle est magnifique. Là les refs vous avez pu voir cette dinguerie. La moto elle est juste, elle est magnifique les refs. Du coup maintenant c'est parti, Nils il va détailler un peu plus sur la moto, quelle année elle est, tout ça les gars. Alors il n'y a pas grand chose à détailler, je l'ai juste acheté en mai de l'année dernière. C'est une 125SX 2022. Tout est d'origine parce qu'elle est neuve, elle a même pas 3 heures la moto. Ouais les gars, la moto elle a même pas 3 heures. Elle a même pas 3 heures, elle est là. Elle est à 2,8 je crois les gars. 2,8. Et encore là les gars, on est passé un peu dans la terre tout ça. Mais sinon elle était toute... Ouais, elle était toute propre. De toute façon à chaque fois que je la roule, à chaque fois je la nettoie. Ouais, oh quand il a sorti du camion qu'elle était toute propre, elle brillait et tout, elle était magnifique. Et moi je kiffe trop les gars là, avec tout ça en orange. Non franchement. Ouais c'est vraiment beau. Et après là 2-3 trucs que je vais changer. Le guidon je vais le changer parce que j'ai pris une chute. Et les guidons d'origine ils sont pas super. Donc on va mettre un nouveau guidon, il est un peu tordu. Après je vais changer ma poignée d'embrayage parce que je l'ai pété. Ah ouais les gars, voir elle est cassée un peu là mais sinon c'est parfait. Et après je vais mettre 2-3 trucs. Je vais m'acheter aussi encore des accessoires pour moi. Et voilà hein. En tout cas franchement moi je kiffe là. Entre le pot là argenté comme ça qui rentre trop bien. Et même au niveau de la taille j'étais choqué. Nous les gars il y a notre père, il a un 250 KTM. Et franchement, il n'y a pas une grosse différence avec 125. Hein. Ouais, la largeur, c'est à peu près pareil. La hauteur, c'est pareil. Franchement, les gars, c'est super grand. Moi, je m'attendais à que ce soit un petit peu plus grand que le 85, mais pas autant. Mais même, les gars, c'est grand. Le mélange de orange-bleu, tout ça, ouais, c'est insane. Vraiment, ouais. Elle est magnifique. Moi, ce que j'adore là, c'est que ta vie, elle est pas forcément simple. Là, il y a tous les petits détails, genre GoPro, KTM. Même là, hein, on peut voir un peu là. Ouais. Regarde, là, tu vois, t'as tous les trucs ici. Ouais, putain, mais... ouais là, c'est l'angle bleu marine et tout. Franchement, ouais. Oh, elle est trop belle. Va falloir la faire frotter la bavette là. Ouais. Mais elle est toute neuve, la moto elle roule que sur le terrain. En tout cas vous pouvez voir ouais les gars, même les pneus, vous avez vu les pneus comment ils sont neufs. Oh les crampons frérot, c'est pire que les crampons à Benzema, la vie ils sont parfaits. C'est tout neuf ouais. En tout cas les refs faut pas qu'on tarde parce que là il y a bientôt le coucher de soleil. Mais regardez moi ce petit lac là, c'est incroyable. Et là les gars, Nils nous montrer comment il la pilote. Même si c'est que le début les gars, c'est sa première motocross et il a pas eu le temps de beaucoup rouler. Vas-y régale nous et montre moi comment tu gères ce bolide là. Vas-y. Oh les gars là déjà le premier coup de pied pour la démarrer. J'ai juste envie d'entendre ce beau bruit de deux temps, ça va faire plaisir, il va être doux. Et ouais les gars, petit deux temps et tout. Regardez moi ce kick les gars. Oh la compression comparée à nos 85 les gars, c'est pas pareil hein. Regarde la compression. Oh, oh oui là c'est en botte, ça va être dur de le... Ouais les gars en plus. Bon regardez à force de kicker. Plus de chaussures là. Oh sa chaussure frérot c'est n'importe quoi, il l'a arraché. Les gars j'ai fait ça en kickant des 85. Ah alors, aussi imaginez-vous, un petit truc hein. Dès que vous êtes en haut régime les vitesses elles se passent à la volée. Ah ouais tu... Genre t'as pas besoin d'embrayer, juste tu lâches ton accélérateur, tu passes ta vitesse. Vas-y. Et les gars aussi, dites-nous en commentaire en tout cas juste avant qu'il démarre si vous êtes chaud pour voir des petites vidéos balades avec Nils lui. Et tous les gars chez nous, les refs dans la montagne, avec nos 2,85, 125 et le 250 de notre père, genre ça pourrait être incroyable, genre grosse balade à 4. Là les gars c'est un peu chaud, il commence à avoir de la neige, mais si on arrive à vous faire quelques balades on vous les fera. Mais voilà, c'est parti, vas-y en tout cas, démarre la nous là. Oh,
Oh les gars, c'est une masterclass la vie, c'est quoi ça? Oh, c'est une masterclass les rêves. Vas-y, c'est parti Nils. Oh les gars, Nils, en plus les cordes, petite botte KTM orange, petit masque orange. Oh, vous avez pu voir, ça fait pas le bruit aigu de nos 85. Non, là c'est un bruit grave sa mère. Les gars, il est satisfaisant de fou. J'ai essayé de le rattraper sur le plat avec mon 85. Comment vous dire que c'était un peu chaud lui. Wesh, les gars, il a failli tomber en mode. La moto elle est un peu trop grande pour lui, les gars. Elle a un tout petit poil trop grand pour lui. Oh putain, les gars, vous pouvez voir, il bombarde. Hein. Les gars, il est fou, ouais. Ah, il bombarde, les gars. En tout cas, franchement, oh, le bruit il est satisfaisant. Ok, regardez, les gars, il arrive. Oh, elle est pas magnifique la moto. Oh, elle est trop belle les rêves, franchement. Ah, j'ai failli tomber. Hein. Ah ouais. Ah, j'ai vu mon pied, il voulait pas toucher le sol, j'ai fait non. En fait les gars, regardez là-bas, il y a une méga montée et toi elle est un peu trop grande parce que t'as pas notre âge. Ouais, ouais, t'as quel âge toi? Petit et tout. Là, j'ai 15 ans. Ah ouais, t'as 15 ans les gars, il a 2 ans de moins que nous. Bon, là on a 16 mais on en a en fin d'année, t'as capté. Mais ouais, mais franchement. Oh les gars, elle est incroyable. Bon, c'est parti du coup directement. Nils, il va redémarrer les gars, let's go. Oh, vous avez vu quand il a mis la première, le bruit de la chaîne que ça a fait. Oh, c'est trop satisfaisant. Oh, vraiment les gars, tu préfères une vidéo juste ASMR? Ouais, vidéo ASMR. Les gars, t'entends? Il est passé là-bas et ça a résonné dans toutes les montagnes là-bas. Ouais, dans toutes les montagnes, ça fait. En mode, ouais. Voilà. Sinon, Nils, les gars, c'est sa première fois dans la montagne. Lui, les gars, il a enfin fait un choix. Vous entendez les résonances ou pas? Oh, ça résonne de partout. Franchement, cette moto, elle va tellement vite, on a même pas envie de parler quand on est dessus. C'est choquant. Bon, c'est parti, Raph, il est de retour. Il est fou, les gars, il a failli tomber. Arrête, il a failli tomber. Ce qu'il a fait, genre il est patiné, sa roue elle était dans la descente, il était à fond, sa roue elle est partie comme ça, j'ai cru il allait se taper une. En mode les gars, sa roue elle partait. Ouais, je dis les gars, on va pas rouler aussi vite, frère. Si on tombe avec, je vous le dis, hein, y'a plus de YouTube, les gars, on revend notre YouTube, frère. Et l'arrivée, les rêves de Nils. Le bruit que ça fait, oh ça casse les oreilles, ça abuse bien. Vas-y, bah c'est parti, là tu veux, t'es chaud pour l'essayer ou pas? Les gars, oh, c'est stressant la vie. Pourtant les gars, on a déjà conduit le 250 de notre père et tout, mais je sais pas les gars, ça va être ça que c'est nouveau. Elle a l'air de super bien marcher, genre d'aller super vite les gars. Et une des dernières motos aussi récentes qu'on va conduire les gars, c'est... Ouais. Ouais, par contre là, il y a un moment, genre ma vitesse elle s'est pas passée, j'étais en haut régime. Et ouais. Là, ma roue elle a un peu glissé, mais ça va. Ouais. Mais en vrai... C'est ce qu'il a expliqué Eliott quand il a dit ta roue elle partait comme ça. Mais en vrai, c'est une moto, elle pardonne beaucoup, je trouve. Hein. Des motos, ouais, tu fais un truc de merde, tu bah les Yama, notre Yama, les gars, notre Yama, les gars, vous allez voir dans les prochaines balades, ou je sais pas si la balade est déjà sortie, elle pardonne pas les gars. Ouais, elle pardonne pas, frère, au virage, bam. Je vous laisse aller voir la vidéo si elle est pas, si elle est déjà sortie, mais sinon elle sort bientôt les refs. Donc c'est pour ça mon ref, hein, abonne-toi, active la cloche, il y a des grosses vidéos qui arrivent. Vas-y, c'est parti, là Eliott, il est en train d'enfiler le casque. Oh Eliott, hein, tu nous commandes ça, hein, tu commandes ça aux abonnés. Ah les gars, je vais pas aller aussi vite, j'ai des fous, hein. Les gars, Eliott, tu vas juste tester, faire des petits tours, toi tranquille en mode balade. Ouais, parler aux abonnés. Tu vois, petite balade, les gars, ils testent le 35 et 622. Mais les gars, il va pas prendre de risque. Déjà, quand même, les toi. Gars, prochaine fois, première fois, je clique un 125. Première fois, tu kicks aussi un. Tu mets un bon petit coup d'accel, ça part tout seul. Attends. Mets un coup d'accel à la fin. Genre, tu viens kicker et tu okay. Kicks en. Vas-y, c'est parti, les gars. Mais kick fort, hein, faut. Oh, le kick, il se remet direct droit, les gars. Lâche tout l'air. Allez, c'est parti les refs, premier démarrage avec le 125 pour Eliott. On va voir ce que ça va donner. Là les gars, elle est plus à sa taille, en mode c'est une taille adaptée pour ouais, lui là. Ouais, pour lui mais pas pour moi. Ouais, Nils c'est légèrement un peu trop grand, mais genre d'ici un an je pense les gars, ça fait le taf, hein. Ouais, mais pas chez moi. Allez, c'est parti, il va monter dans la montagne. Ouais. Je parle pas trop les gars.
suis en quatrième, je crois, elle monte. Facile. Oh, par contre, ma taille, elle est parfaite, elle est parfaite à ma taille. Mais wesh. Wesh, Belek, il parle pas. Parce que là, il est vraiment barré. Les gars, Belek, il part pas avec la moto là. Non, on le revoit plus là. Sinon, je roulerai en 85. Il est parti en 125, il rentre en 85, les gars. Ouais, les gars, j'aime pas trop les descentes comme ça en mode, je sais pas trop faire genre comment les bien les prendre et tout. Mais wesh. Vas-y, les gars, c'est parti, il est en train de revenir. Ah, on va nous rader. Oh, le bruit, il est parfait. Ouais, parce qu'en mode sur le 85, il est trop aigu notre bruit, alors que le tien, il est bien grave. Ouais, bah oui, que... Oh, franchement, il est parfait le bruit. Genre, c'est pile le bruit rêvé, j'ai l'impression. Oh, vas-y, c'est parti, les gars, il va revenir. Ouais, c'est trop, vraiment. Ah, la montée, il a monté en 2 secondes, les gars, regardez comme il va la monter en 2 secondes. Oh, c'est abusé. Je voulais essayer de faire un petit dérapage en mode. T'as compris, mais je peux pas, les gars. C'est trop, wesh. Putain, mais tout marche fort, les gars, le frein, c'est abusé. C'est wesh. Je m'en remets pas, wesh. Ouais, les gars, 125, vraiment, il y a de l'allonge comparé à 85. C'est-à-dire que les gars, tu changes beaucoup moins les vitesses. Genre, même en bas régime, genre, elle a de la patate et tout. C'est abusé, les gars. Oh, regardez les traces, les gars, de route qu'on a fait. On a tout niqué. Ouais, les gars, ça y est, là, il va plus rendre la moto, les gars. Allez, l'arrivée d'Eliott. Oh là là, mais gros, c'est trop. Mec, elle va de partout, elle monte partout, elle fait tout. Les gars, j'ai jamais vu ça, wesh. Et la puissance, frère. Gros, je me sentais. Je savais même pas qu'il fallait passer à vitesse. Je passais au pif, gros, j'accélérais. Mec, c'est vraiment abusé, les gars. Ouais, je pense que t'entends moins que sur notre 85 en mode quand ça crie, quand faut passer à vitesse. Genre, mais gros, parce qu'elle va pas trop crier, celle-là. Juste t'accélères, tu passes à vitesse et tu te laisses pas aller, quoi. Oh là, c'est une dinguerie. Oh là, ça me chauffe, là. Vas-y, bah, les gars, c'est parti. Je vais essayer. Et puis voilà. Dans la montée, fais attention à pas trop te mettre devant, parce que sinon, tu vas faire ta roue, elle va partir. En vrai, là, les gars, non, comme sensation, quand je suis dessus, elle est comme la 251 de paire. Juste, j'ai l'impression le guidon, ouais. Au lieu il est moins serré. En fait, les gars, elle est comme la 252 de paire, sauf qu'elle est un peu moins large, etc. Franchement, je la trouve parfaite vraiment pour les gars. Si je devrais acheter une moto en mode la taille 125 parfaite. La 252 de paire, je la trouve un peu trop lourde. Là, genre, ça va, tu vois, elle est lourde, mais ça va. Franchement, niveau puissance et tout, les gars. Pour moi, c'est le top, hein. Puissance, taille, c'est le truc, les gars, ma moto de rêve, entre guillemets. Enfin, après, il y a toujours un truc avec tête, mais. Non, accélère en même temps. Ouais, et là, on fait pas 50 fois comme Yam. Ah, les gars. Oh là là. Relâche l'air, tu fais ça. Oh là là. Allez, les gars, c'est parti directement, Milan. Oh, allez, let's go. Là, il commence à tester, il dit oh, attends, elle est normale. Et là, quand il va commencer à être dans la montée, c'est dans la montée que je me suis dit que j'étais en 4 et que je montais sans problème. Je me suis dit ah oui, ah oui. Let's go! Wesh! Oh la dinguerie! Oh les gars, c'est. Wesh! Ah, il est passé du mauvais côté, il est passé où il y a les gros cailloux. Oh les gars, c'est vraiment une dinguerie cette moto. Oh, vas-y, c'est parti, on va faire la descente. Oh, mais wesh! C'est un jeu kiff, les gars, je sais pas quoi décrire la vie. C'est bien. Cette moto vraiment juste en balade, tu te dis comme ça, tu te régales. Wouhou, là je conduis debout les refs. Oh la sensation, c'est masterclass. Oh c'est pile parfait à notre taille. Ah, wesh, wesh. Les gars, c'est quoi ça? Je suis arrivé dans un boule de neige, gros. J'ai failli me tuer avec la moto, les gars. Wesh, c'est quoi ça? Attendez, je vais aller les voir. Oh les gars, regardez, j'ai failli tomber, frère, dans le virage. Ouais, ou ça me... Ouais, les gars, directement, Léon était reparti. Il avait pas compris ce qui se passait. Ouais, il a fait une petite trace au sol, les gars. Allez, là, c'est parti, là, il va envoyer, là. Oh, les gars, c'est une dinguerie. Oh, la vie, c'est une dinguerie, les refs. Allez, c'est parti, on va sauter cette petite bosse. Vas-y les gars, oh je kiffe vraiment. Oh, elle est trop maniable. Elle a de la puissance mais elle est maniable. Vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie les refs. Oh je kiffe les gars, j'imagine même pas la 2023 comment elle doit être. Après je pense qu'il n'y a pas trop de différence quand même entre la 2022 et la 2023. À part que la 2023 du coup elle a injection et démarrage électrique et tout, mais oh je kiffe.
bref, c'est parti. Allez, let's go, c'est parti, vas-y, on va faire le dernier tour, donc on va en profiter, les gars. Hein. Allez, c'est reparti, les gars, Lilan dans la descente. Et par contre, les gars, j'ai pas compris, normalement, il y a une route, tu peux passer grave bien, et lui, il va dans les cailloux à gauche. Donc, j'ai pas compris, c'est pour ça, les gars, il peut pas accélérer dans la montée, parce que du coup, bah, il a les cailloux devant lui. Vas-y, les gars, je vais rentrer, c'est parti. Cette dinguerie. En fait les gars, c'est super léger et du coup super maniable, et à la fois t'as super beaucoup de puissance, genre t'as les deux à la fois, c'est... Oh les gars, oh vraiment, le mélange de maniable et de puissance, gros, c'est incroyable hein. Après les gars, franchement, je pense qu'il faut apprendre la conduire pour bien la gérer et tout. Là tu vas te régaler hein. Ouais, faut qu'il va se régaler les gars. En plus dans un terrain là, de crossfit court, genre ça doit être de la frappe genre. Quand on va repasser sur notre 85, on va croire que ça avance pas la vie. Ouais. Petit bonus avant de couper la vidéo, notre père va tester les gars la 125SX 2022. Les gars, oh, j'ai hâte de voir. Il va passer son 250KTM les gars 2018 à la 125SX 2022. Il a pris la GoPro sur la tête, donc là les gars, c'est normal hein, ça va changer du pilotage de Lilian là. Les gars là, il va en arrière. Il est monté un tout petit peu plus vite que Lilian. Vraiment tout petit peu, Lilian, t'étais pratiquement pareil. Je crois les gars, il est penché avec la 65, Nils il va rentrer avec la 250 la vie. Ouais les gars, je crois qu'il va... Ouais, il a fait un saut les gars. Les gars, il a fait un saut, wesh. C'est quoi ça? Oh les gars, regardez-moi l'état de la terre, frérot. Oh, on l'a tué. Bon bah les refs, c'est la fin de cette vidéo avec cette belle machine. Franchement, j'espère qu'on va pouvoir faire les gars des balades avec Nils. Et comme ça les gars, nous on sera sur notre 85, on pourra vous filmer avec les gars. En tout cas, franchement, c'était une dinguerie. Encore merci à Nils les gars, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu cette vidéo. Bah, merci à vous aussi. Les gars, allez vous abonner à son Instagram, franchement. Oh là là. Dites en tout cas en commentaire si vous validez la bête et quelle moto vous avez en commentaire. Et puis voilà quoi. Première fois en 125, c'est validé les frérots. Et aussi les refs, on va bientôt faire une vidéo où on note vos motocross. Donc venez tous nous suivre sur Instagram les gars, ça fait juste ici. Et envoyez vos motocross et on les notera pour une vidéo. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, un maximum de likes, on s'abonne, vous connaissez les bails. Et puis nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et prochain live. C'était Lilian, Elliot et Nils. Allez, ciao ciao. Bisous.